convoqué par ces mesures. Cette prévenue, jugée, recevra aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour des soupçons d'escroquerie dans le financement des campagnes électorales du FN en 2012 et 2015, parmi eux deux cadres du parti, devenus l'an dernier le Rassemblement national. Les débats doivent durer jusqu'au 29 novembre. Politique, les Républicains désignent ce soir leur candidate pour la bataille de Paris, investiture pour laquelle Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, est donnée ultra-favorite. Le PS ne participera pas à la manifestation contre l'islamophobie le 10 novembre prochain. Dans un communiqué publié ce matin, le Parti Socialiste refuse d'être associé à certains des initiateurs de cet appel. Nous ne nous reconnaissons pas dans ces mots d'ordre qui présentent les lois laïques en vigueur comme liberticide, peut-on lire dans cette résolution. L'influence des labos pharmaceutiques sur les médecins généralistes, une étude publiée ce mercredi avec les praticiens qui reçoivent des cadeaux, des tendances à faire des prescriptions plus chères et de moindre qualité. En revanche, les médecins qui ne reçoivent aucun avantage de la part de l'industrie pharmaceutique prescrivent mieux et moins cher. L'étude a été réalisée par des médecins, des chercheurs et des ingénieurs de l'université et du CHU de Rennes. Enfin, le football, 4e journée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain reçoit ce soir le FC Bruges, coup d'envoi de la rencontre à 21h. Il est 9h04, on fait un point sur la météo. C'est près de la Méditerranée que le soleil sera le plus présent aujourd'hui. Il y aura beaucoup de vent, en tout cas sur ces régions, du Mistral, de la Tramontane. Ailleurs, le ciel est souvent encombré avec quelques éclaircies, quelques pluies aussi. Les températures, Élodie, elles sont de saison. Oui, on attend 11 degrés à Dijon comme à Grenoble, 12 annoncés à Strasbourg, à Paris et à Clermont-Ferrand, 13 pour Nantes et pour Toulouse. La seule grimpe avec 17 degrés attendus à Montpellier et même 18 pour Ajaccio. On vous souhaite une très belle journée avec nous sur la FM évidemment. Merci d'avoir été ce matin. Garde un peu les petits power en gommie. Et nous souvenons juste après ça, on s'appelle Marc Lavoine. Thank you.